Bonsoir à tous, bienvenue à l'UBO pour cette deuxième soirée du cycle l'UBO Fête la Science, que l'on organise dans le cadre de la Fête de la Science. Donc cette année, le thème de la Fête de la Science, c'est l'émotion de la découverte. Donc on a eu envie de vous partager des chercheuses et des chercheurs qui ont fait des découvertes récentes, qui ont marqué l'année 2021 ici à l'UBO et plus largement à Brest et même ailleurs. Donc pour cette deuxième soirée, on va parler archéologie, préhistoire, avec la dalle gravée de Saint-Bélec, qui va vous être présentée par Ivan Payet, qui est archéologue et titulaire de la chaire Armairie. Nous sommes aussi en direct sur YouTube. Donc pour toutes les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on les relayera à Ivan à la fin de la conférence. Et pour ceux qui sont dans la salle, bien sûr, vous pourrez aussi poser vos questions avec, à la fin de la conférence au micro. Merci de mettre vos portables en silencieux pour que tout le monde puisse apprécier cette soirée et je laisse la parole à Ivan. Merci. Merci Enora. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter un peu le résultat de nos recherches. Enfin, ce sont les recherches d'un collectif de chercheurs. Donc normalement, on aurait dû faire cette conférence à deux voix avec Clément Nicolas, qui s'excuse de ne pas être présent, mais il est... en ce moment à l'université de Bournemouth en Angleterre, où il achève son post-doctorat Marie Curie, et qu'il termine, et il intégrera le CNRS, où il a été recruté comme chercheur au mois de janvier prochain. L'équipe se compose également d'autres chercheurs, donc je vais les citer tout de suite. Il y a Laurent Aubry, qui est géomaticien au laboratoire Trajectoire, à Paris. Il y a deux géographes, géomaticiens du laboratoire LETG qui est hébergé à l'IEM, à l'UBO, Pierre Stéphan, qui est un collègue du CNRS, et Julie Pierson. Et nous avons également deux géologues, Bernard Legal et Monsieur Rollet. Voilà. Je pense que j'ai oublié personne. Donc, ce travail que nous avons mené au départ, avec Clément, rentre tout à fait dans la définition de la slow science. C'est-à-dire que en 2002, 2003, vers là, je devais être en train de rédiger ma thèse. Et puis, vous savez comment que c'est, parfois, à travers les articles qui nous passent sous la main, on lit un article et puis on se dit, tiens, ça nous donne une idée. Donc là, en l'occurrence, je lis un article de Paul Duchâtelier daté de 1901 sur les tumulus, quelques tumulus des montagnes noires, et où il présente la fouille du tumulus de Saint-Bélec à Lehan avec cette dalle, dont je vais vous parler plus tard, qu'il présente. Il y a une photo, il y a un relevé qui n'est pas de très bonne qualité, mais bon, malgré tout. Et quand je vois ça, je me dis, bah, tiens, on dirait une carte. Voilà, ça en reste là, 2002-2003. Ça reste dans un coin de ma tête. Je me dis, ça serait bien un jour de travailler là-dessus, de creuser, puisque manifestement, pour Paul Duchâtelier, c'était vraiment c'était une énigme, cette dalle gravée. On y reviendra également. Une dizaine d'années plus tard, Clément, qui a été mon étudiant quand il était en master, rédigeait lui aussi sa thèse. En l'occurrence, moi, je travaillais plutôt sur le néolithique. Clément travaillait vraiment sur le bronze ancien. Et donc du coup il voit cette publication de Paul Duchâtelier et il se fait exactement la même remarque que moi, il a la même intuition en se disant c'est une carte. On en cause évidemment puisqu'on est copains avant d'être collègues, et là on se dit oui, il y a quelque chose à faire, donc on va commencer à travailler tout doucement avec aucun moyen à essayer de décrypter et de donner le maximum d'arguments pour démontrer qu'on a bien affaire à une carte. Parce que ça ne suffit pas d'avoir l'intuition, évidemment. Il y a quelques temps de ça, je passe un petit peu les... Je passe le... Enfin, un gros saut dans le temps, on va dire, fin des années... il y a quoi, il y a 2-3 ans. L'article est quasiment bouclé. On se dit, on a bossé avec toute l'équipe que je vous ai mentionnée. On est content de nous, on a un article qui tient la route, on va le publier dans une revue anglo-saxonne, ça aura plus d'impact, ça sera plus lu que si on publie ça dans une revue française. Et là, surprise, on reçoit un avis du rapporteur, enfin du principal rapporteur, qui nous dit non, ça ne sera pas publié, c'est niet, refusé directement.
L'argument principal, c'était que, en fait, les gens de l'âge du bronze ne pouvaient pas, c'était vraiment une perspective hyper évolutionniste, les gens de l'âge du bronze ne peuvent pas, n'ont pas les capacités à représenter en 2D ou en 3D une planimétrie et encore moins une carte d'un territoire. Donc, à dégager. Donc finalement, ça nous a mis un petit coup au moral, mais on s'est dit, c'est très bien, on va fourbir nos armes davantage, on va affûter nos arguments. Et ce qu'on a fait, on a repris certains éléments de l'argumentaire, et là on a soumis notre article au bulletin de la Société préhistorique française, vénérable institution, et les rapporteurs, les reviewers de notre article, ont eu le courage de dire oui, c'est hyper intéressant cette démarche, donc on publie. De la même manière, de l'autre côté de la Manche, on a soumis notre article, hein, une autre version de l'article à Oxford Journal of Archaeology. Et là, on a eu la chance d'être relu par Sir Barry Cunliffe, avec qui j'ai eu l'honneur de fouiller au Yodé il y a quelques années de ça, et qui nous a fait une revue aussi assez dithyrambique. Et donc, du coup, l'article a été publié dans un premier temps dans la BSPF et va paraître là dans le prochain numéro de l'Oxford Journal of Archaeology. Voilà à quoi ça tient parfois la recherche. Donc, si je fais l'état de l'art concernant cette dalle, autant dire qu'on n'en connaissait pas grand-chose avant de commencer à travailler vraiment dessus. Et surtout, il n'avait pas été écrit beaucoup de choses dessus. Donc, vous pouvez voir la citation qu'en fait Paul Duchâtelier, hein, d'écrire ce curieux monument avec ses cupules, ses cercles et ses diverses figurations gravées dans lesquelles certains voient une représentation humaine informe et celle d'une bête, est chose difficile. Ensuite, donc en fait, Duchâtelier ne va pas plus loin et n'interprète pas cette dalle pour laquelle il a tout de suite compris, hein, on va y revenir lors de la découverte, mais il a tout de suite compris qu'il était face à une découverte majeure pour la proto-histoire européenne. Jacques Briard, en 1994, fait le lien avec ces figurations complexes, avec les parcellaires associés à des cupules, qui ont été vus, décrits dans les Alpes italiennes. Et donc, lui, il voit un document topographique. Et donc, en cela, l'intuition que Clément et moi, on aura quelques années plus tard, sans connaître d'ailleurs à cette époque-là la citation de Jacques Briard, va dans le même sens. Donc, dans cet exposé, ce qui est assez long, hein, je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai 72 diapositives, donc, et on a 45 minutes, donc il va falloir faire fi ça. Mais on va dire qu'il y a plusieurs points. On va d'abord parler de la découverte de Saint-Bélec à sa redécouverte physique, puisqu'elle était un petit peu égarée, si vous avez suivi un petit peu la publicité qu'il y a eu autour de l'apparition de l'article au printemps dernier. Ensuite, l'étude de la dalle proprement dite, la dalle et ses gravures. Un point sur les cartographies préhistoriques et protohistoriques, les cartes mentales ethnographiques. Saint-Bélec, la carte d'un territoire, et enfin une espèce de petite synthèse pour replacer la dalle de Saint-Bélec dans ce que l'on connaît des territoires des sociétés de l'âge du bronze ancien en Armorique. Donc le tumulus de Saint-Bélec est fouillé par Paul Duchâtelier avec son collègue Jean-Marie Abgral en 1900. Paul Duchâtelier, hein, c'est vraiment le précurseur de la pré-proto-histoire en Bretagne. Il y en a eu d'autres, mais c'est peut-être le chercheur le plus important à retenir pour la fin du 19e, début 20e. Il publiera quasiment toutes ses fouilles. Hein, je crois qu'il n'y a quasiment rien qui est resté inédit. Évidemment, sa synthèse magistrale qui sera les époques préhistoriques et gauloises dans le Finistère, qui a connu plusieurs éditions. Donc le tumulus de Saint-Bélec se trouve en centre-Bretagne, dans les montagnes noires, sur la commune de Lehan, pour ceux qui connaissent, et donc domine le haut cours de la vallée de l'Audet. Depuis ce tumulus, on embrasse une vaste zone.
où on voit une grande partie de la ligne de crête des montagnes noires, on va dire à l'est, jusqu'au massif de l'Andudal à l'ouest. Et au sud, le massif de Quadri. Donc c'est vraiment, on est sur un point où on embrasse un très vaste paysage, comme vous pouvez le voir sur les photos. Le tumulus n'est pas seul, puisque en fait il y a un autre tumulus qui n'a pas été fouillé par Paul du Châtelier, qui se trouve, c'est le tumulus de Saint-Bélec II, et donc voilà, qui est resté en réserve archéologique, puisqu'il est à peu près préservé, il est encore sous un talus. Donc Paul du Châtelier, comme à son habitude, fait appel à des paysans et à son équipe d'ouvriers avec lesquels il travaille. Il va fouiller donc en puits, très vraisemblablement, même s'il ne l'explique pas, mais c'est la technique habituelle, de manière à tomber, il fouille au centre en puits, il tombe sur le caveau central, et donc là, il est face à une tombe de très très grand gabarit, hein, elle mesure quasiment 4 mètres de long sur plus de 2 mètres de large et 1 mètre, quasiment 2 mètres aussi de profondeur, donc ça en fait une des plus grandes tombes de l'âge du bronze de l'âge du bronze en Bretagne, et elle est recouverte donc d'un tumulus qui fait à peu près 40 mètres de diamètre pour 2 mètres de haut. À l'heure actuelle, le tumulus est quasiment râpé, il reste peut-être 40 cm d'élévation. Donc vous voyez, on les repère encore à l'heure actuelle, finalement mieux en photo aérienne, parce que les tumulus en fait ne sont pas composés des terres mêmes qui les environnent. Souvent, il y a des terres rapportées. Ça peut être du limon, ça peut être de l'argile. Ce qui fait que vous avez des taches blanches très fréquemment comme ça qu'on voit, qu'on repère en photo aérienne. Donc la dalle, quand Paul du Châtelier fouille la tombe, très rapidement, enfin, quand ils enlèvent la dalle de couverture de la tombe qui est très massive, ils rentrent dedans. Et là, il repère qu'une des dalles qui forme un des petits côtés de la chambre funéraire, d'un côté, il y a un gros bloc de quartz blanc qui ferme le coffre, et de l'autre côté, c'est cette grande dalle en schiste ardoisier qui est couverte de gravures. Et là, tout de suite, Paul du Châtelier est assez stupéfait, parce qu'il a à son actif déjà plusieurs centaines de tumulus, je pense, qu'il a fouillé. Et puis des dalles gravées, il en a vu aussi. Il communique avec les meilleurs chercheurs de son époque. Donc en fait, il est en lien, bon là par exemple, avec Salomon Reynard ou avec le docteur Capitan et d'autres. Donc en fait, ces gens-là sont en lien, ils échangent régulièrement. Et donc il sent tout de suite qu'il a affaire à une dalle assez énigmatique. La tombe, comme vous pouvez le constater, elle est surmontée de moellons et elle est déjà partiellement cassée. C'est-à-dire qu'il y a un bout que Paul du Châtelier, la partie supérieure, un des bouts, qui va récupérer au fond de la tombe quand il va la fouiller. Donc cette dalle est manifestement partiellement masquée. Les gravures, il y a une partie des gravures qui ne sont pas visibles. Elle est partiellement brisée. Et donc, on peut penser qu'elle est en réemploi. Je précise, en réemploi, ça veut dire que ce n'est pas sa proposition primaire, qu'elle n'était pas faite pour être mise dans une tombe et à cet endroit-là. Donc, très rapidement, après la fouille, Paul du Châtelier, il est obligé de rentrer assez vite. Hein, sa femme, je vous passe sur l'anecdote, mais sa femme est malade. Il est obligé de rentrer au manoir de Carnuse un peu en hâte. Et donc, il a fini la fouille, mais il n'a pas eu le temps de prélever, la grosse dalle. Il a juste récupéré le petit morceau qui était tombé au fond du caveau. Et donc, du coup, il en profite pour échanger avec ses collègues, donc vous voyez Cartaillac et Salomon Reynard, avec qui il s'interroge sur sa découverte, et en disant qu'il va falloir qu'il y retourne rapidement pour pouvoir prélever... prélever la dalle dont il a peur qu'elle disparaisse ou que le paysan ne la brise. Et donc, quelques semaines après, quelques jours après, ils montent une équipée et donc ils vont prélever la dalle avec des moyens, comme il le dit, un peu façon âge du bronze, c'est-à-dire en faisant un plan incliné, des cordes, et puis sur des rouleaux, la faire glisser, la faire rouler. Et ensuite, elle sera donc rapportée
au château de Carnuse, qui est son château privé, mais également son lieu d'habitation. C'est le lieu d'habitation de la famille du châtelier. Et donc, où elle sera exposée et, voilà, pendant quelques années. Après la mort de Paul du Châtelier, la famille et son fils connaissent des revers de fortune. Et donc, du coup, se voient un peu dans l'obligation de vendre la collection de Paul au musée d'archéologie nationale, qui ne s'appelle pas encore comme ça, il s'appelle le musée d'antiquité nationale, qui se trouve au musée de Saint-Germain-en-Laye, que vous avez à droite. Donc, normalement, la collection, dans sa globalité, a été vendue au musée d'archéologie nationale, mais en fait, on ne sait pas trop où se trouve cette dalle. Elle se perd un peu, sa mémoire se perd, s'estompe. Et en fait, au final, c'est grâce à Renan Pollès, qui est un archéologue et cinéaste, qui a travaillé, lui, non pas sur la dalle de Saint-Bellec, mais sur la dalle de Renongard à Plovan, et qui donc retrouve la dalle de Renongard à Plovan dans une alcôve dans les douves du château de Saint-Germain-en-Laye, donc là où elle était restée finalement depuis le déménagement depuis Pont-l'Abbé. Et donc il va faire un article sur la tombe de Renongard à Plovan. Et dans cet article, il va indiquer, en note de bas de page, que cette dalle-là se trouvait en compagnie de celle de Minven à Tréogat, donc un autre site, tumulus de l'âge du bronze, également du pays Bigoudin, qui est aussi une dalle ornée, et celle de l'île de Groix, du site de Butenera, île de Groix. Voilà, ça se limite à ça. Et puis quelques années après, il y a un des conservateurs du musée d'archéologie nationale qui va relire l'article qu'a écrit Renan Pollès dans la revue Antiquité nationale, qui est conservée dans la bibliothèque du musée du château. Et là, il va voir justement dalle du Butenera à Groix. Et là, il va barrer en disant non, c'est pas la dalle du Butenera, c'est la dalle de Saint-Bellec. Clément, par le plus grand des hasards, tombe sur cet article annoté dans la bibliothèque, alors qu'on avait déjà fait des recherches infructueuses avec les conservateurs, avec un peu tout le monde. Et donc là, quand il tombe sur cette petite note manuscrite d'un des conservateurs, il se dit, bah oui, elle est forcément au Mans. La question, c'est de savoir où, parce que le Mans, c'est grand, c'est un grand château. Et finalement, comme aucun des conservateurs ne savait plus où elle se trouvait, c'est un des anciens gardiens, qui a deux doigts de la retraite, qui se souvenait d'avoir déménagé des gros blocs dans les années 90. Et donc là, on la retrouve dans une cave du château, dans une cave, on va dire, dans des conditions de conservation assez mauvaises. Elles avaient été stockées, comme vous pouvez le voir en haut à droite, sur des palettes. Enfin, des systèmes de palettes et du plastique, ce qui n'avait pas arrangé au niveau de l'humidité, parce que évidemment ça avait bien macéré, donc il y avait pas mal de champignons qui s'étaient développés dessus. Mais enfin, au moins en 2014, on retrouve la dalle. Donc évidemment, ça va un peu tout changer dans notre recherche à partir du moment où on a déjà fait beaucoup de travaux antérieurs sur la contextualisation de cette dalle, la découverte, etc. Le fait de pouvoir la retrouver. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir l'étudier en vrai et non plus sur photo, parce que jusqu'à présent on ne travaillait que sur les trois photos que nous avait laissé Paul du Châtelier. Donc l'étude de la dalle. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la dalle, elle a été conservée, ça c'était aussi tant qu'à faire, elle a été conservée contre le mur, les gravures étaient contre le mur. Donc en fait, on ne pouvait même pas la voir. En fait, Clément, quand il la retrouve avec le gardien et la conservatrice actuelle, ils sont là avec le téléphone portable à faire un peu de lumière. Et là, oui, il arrive à enlever un peu de plastique et à voir que c'est bien cette dalle. Sauf que pour pouvoir l'étudier, elle fait à peu près une tonne cinq. Il fallait pouvoir la déplacer, il fallait pouvoir la mettre à plat, la déposer. Donc là, il a fallu faire
On a demandé au man, est-ce que vous pourriez... Ah bah non, on n'a pas de sous. Donc il a fallu que nous, on trouve des sous, etc. Bon, ce n'est pas des sommes dithyrambiques, mais enfin, c'est 1500 euros par-ci, 2000 balles par-là. Et donc finalement, il y a une équipe spécialisée qui est venue la déposer avec une chèvre. Donc on l'a levée, ce qui a permis de faire des photos sur les deux faces, rapidement, parce que c'est une opération qui a été menée un peu à la va-vite, et avec une certaine urgence et une certaine dangerosité aussi. Et puis voilà, on est vraiment dans un milieu hyper contraint. Vous voyez, la chèvre touche quasiment le plafond, donc on n'avait vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre. C'était assez complexe comme opération. Donc une fois qu'on a pu déposer et poser à plat dans de bonnes conditions la dalle, on a ramené des spots, de l'éclairage. On a pu commencer à faire des photos en lumière rasante, en s'inspirant des méthodes mises en place par Serge Cassen pour l'étude des gravures néolithiques. On a fait des premiers relevés, des croquis, etc. On a réalisé avec Laurent Aubry une couverture photogrammétrique complète de la dalle, de manière à pouvoir avoir à l'avoir en 3D, ce qui permet de réfléchir aussi. Et surtout, grâce à Pierre Stéphan, on a pu, qui connaît bien Vincent Lacombe, que j'ai oublié de citer tout à l'heure dans les co-auteurs, Vincent Lacombe a une entreprise privée. Et en fait, quand on lui a parlé du projet, il a tout de suite dit « Banco, moi je viens avec vous, c'est passionnant ». Donc il est venu depuis La Rochelle passer une journée ou deux avec nous pour numériser entièrement la dalle avec un scanner très très haute précision dont il a la possession. Et ce qui nous a permis aussi d'avancer vraiment dans la description derrière, vous verrez l'étude des gravures, etc. Donc on a également travaillé avec d'autres types de scanners. Hein. En fait, on a fait plusieurs tests. Ensuite, tous ces nuages de points, hein, c'est des millions de points qu'on a relevés sur ces dalles, ont été traités par Pierre Stéphan avec il a mis en place différents tests pour représenter justement ces gravures. Donc vous voyez, chacune d'entre elles, on voit des détails qu'on ne va pas forcément voir sur d'autres. Enfin, en tout cas, ça fait ressortir des choses. Ensuite, on a pu, grâce à ces relevés, dessiner les gravures. Parce qu'en fait, je vous avais dit, du Châtelier avait fait à l'époque ce qu'il avait pu, c'est-à-dire un dessin qui était assez éloigné de la réalité finalement. Nous, on a également fait un relevé, comme on fait un relevé classique archéologique, mais malgré tout, il manque des choses et on ne voit pas tous les détails. Et surtout, ce qu'on ne pouvait pas voir, c'était de cette manière, en travaillant cette manière, c'était les recoupements et la chronologie des gravures aussi. Ainsi que voilà, les détails des enlèvements. Vous voyez qu'il y a des enlèvements qui sont beaucoup plus réguliers que d'autres. Il y en a qui sont très grossiers, qui ont été faits avec des percuteurs lourds. On a également des incisions qui ont été faites. Alors, soit c'est avec des roches tranchantes, soit c'est avec du matériel métallique. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Il faudrait qu'on fasse de l'expérimentation. Éventuellement, on pourrait tenter de la tracéologie si jamais il reste des petites particules de cuivre ou de bronze à l'intérieur des incisions. Enfin, ça, c'est des recherches qui pourront être menées ultérieurement. Donc, la dalle et ses gravures. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dalle n'est pas complète. C'est donc un puzzle. Lorsque Paul Duchâtelier la récupère en 1901, il récupère une grosse partie des bouts, il les remonte, donc il fait une première restauration. Donc on le voit très bien sur les photos qu'il a prises dans la cour du château de Carnuse. Malheureusement, durant le transport ou pendant son stockage au Mann, on ne sait pas, elle va perdre des bouts. Et ces bouts-là, malheureusement, il y a de fortes chances qu'ils soient irrémédiablement perdus. Donc il nous manquera toujours une partie du puzzle. Heureusement qu'on a les photos du Châtelier pour compléter un peu les trous. Et il y a également des bouts, les bouts en rouge là, qui n'ont jamais été retrouvés par Paul du Châtelier. Donc là, par contre, ça c'est quelque chose dont je pourrais vous parler plus tard. C'est la suite à donner à cette étude, parce qu'en fait c'est pas fini. Là on vient juste de mettre le doigt dans un engrenage infernal en fait. Donc la dalle, comme vous pouvez le constater, a été complètement mise en forme. Donc la partie, ce qui est la partie haute, de la manière dont on l'a représentée, a été pas mal abîmée.
Les bords ont été mis en forme par martèlement, bouchardage. Par contre, on voit que les surfaces sont des surfaces naturelles. Il n'y a pas eu de piquetage préalable. On est vraiment sur des surfaces assez fraîches de schiste. Et il y a même très peu eu de météorisation, ce qui semble indiquer que cette dalle en fait n'est pas restée à l'air libre pendant très longtemps. Par contre, il y a pas mal de moisissures et de champignons. Mais je vous rassure, elle est actuellement, on l'a déplacée, enfin, Oman, elle a été déplacée, donc elle n'est plus dans la cave un peu moisie que je vous ai montrée. Elle a pris du galon, elle est maintenant dans le cachot des nobles. C'est mieux. C'est à côté. Hein. Donc maintenant, elle est à côté de ses petites copines, celle de Minven et celle de Renongar. Elles vont toutes les trois faire l'objet d'une restauration. Ça a déjà commencé donc, pour celle de Saint-Bélec. Et l'idée là, de Roland Simon Millot, la conservatrice des collections néolithiques et âge du bronze, c'est que la dalle soit visible pour le public d'ici 2-3 ans, quand ils vont revoir la conception de la salle de l'âge du bronze. D'ores et déjà, si vous voulez aller voir un super modèle 3D de la dalle, mieux que celui qu'on a fait, ils en ont fait un au MAN avec leurs ingénieurs et leurs techniciens, qui est vraiment magnifique. Donc vous pouvez vraiment faire tourner la dalle. Vous tapez MAN Saint-Bélec et vous aurez de suite, vous pourrez visualiser cela. Donc la roche, je vous ai dit, hein, la roche qui constitue la dalle, c'est un schiste briovérien, c'est un séritoschiste. Donc on est sur les gisements, donc il n'y a pas eu de déplacement majeur de la dalle. Il y a un affleurement qui pourrait tout à fait correspondre à quelques centaines de mètres. Donc on n'est pas du tout sur un déplacement type Stonehenge ou voilà, les pierres bleues ou autre chose. C'est vraiment du local. Donc les techniques de gravure, je vous en ai déjà dit deux mots tout à l'heure, mais là vous pouvez bien les voir à travers ces petits zooms. On voit il y a des techniques, la technique majoritaire c'est le piquetage. Il y a quelques traits incisés, mais en partie ils ont été réalisés à la toute fin. Vous verrez tout à l'heure qu'on a travaillé sur la chronologie des gravures et les incisions ont été faites en dernier. Il y a des secteurs de la dalle qui ont été traités en bas-relief, de manière à dégager justement légèrement en relief certaines formes, notamment le petit carré sur lequel je reviendrai qui se trouve, je ne sais pas si vous voyez, il y a un triangle très aigu dans la partie gauche, et juste au bord, il y a un petit carré qui est pour moitié bleu, moitié rouge. Et sinon, donc un écaillage plus grossier, avec certainement des gros percuteurs, notamment à proximité des grosses cupules. Donc vous voyez qu'on a affaire à une espèce de tableau, on pourrait presque dire abstrait, dans lequel on voit se dessiner différentes formes, ovoïdes, patatoïdes, plus ou moins rectangulaires, carrées, des lignes qui les rejoignent, tous ces symboles sont liés entre eux par des lignes, et de nombreuses cupules de différentes tailles, certaines pouvant atteindre jusqu'à 5 cm de profondeur, alors que certaines sont à peine ébauchées, on ne les voit que par lumière rasante. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a travaillé sur la chronologie des gravures, parce qu'en fait, l'idée c'était, même si de ce tableau représenté sur cette dalle, cet ensemble de gravures, se détache clairement une impression d'uniformité, on a l'impression que ça a été fait d'une seule main. Néanmoins, la chronologie relative des gravures, c'est-à-dire en étudiant quelle gravure recoupe l'autre, laquelle vient se superposer à l'autre, montre clairement que tout ça n'a pas été fait dans un même temps. Donc, ça a toujours été réalisé avec le même esprit, mais sur un temps indéterminé. Hein, on peut pas dater, on peut juste dire quelle gravure vient après telle autre. Et ce qu'on peut dire à travers la lecture de cette dalle et donc de la lecture technologique de ces gravures, c'est que le triangle dont je vous ai parlé, le grand triangle et la ligne qu'il poursuit, qui coupe en deux globalement la dalle, ont été les premières traces réalisées, tout comme le petit carré dont je vous parlais.
Et donc, en fait, ceci, ça, ensuite, tout ce qui est la partie mauve, bleu-mauve, ce sont les gravures les plus anciennes. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Mais gardez ça bien en tête. La composition graphique. Donc, vous voyez, il y a des formes géométriques. Il y a des formes géométriques dans des formes géométriques. Il y a des motifs réticulés avec des cupules à l'intérieur. Tout cela, on a envie de dire, ou bien alors des choses plus rectangulaires, tout ça, on a envie de les interpréter. On n'en est pas encore là, hein. Pour l'instant, on reste juste dans l'aspect très descriptif des choses. Un autre point intéressant à remarquer, et qu'on a vu tout de suite, c'est cette dalle, en son milieu, on a une forme pas tout à fait ovalaire, pas tout à fait patatoïde, avec deux espèces d'antennes. Qui est partagé en son milieu, qui fait penser dans notre interprétation, notre raisonnement qu'on travaille bien sur un document cartographique, à une central place. Donc, une fois qu'on avait réalisé toute l'étude de ces gravures, il convenait également de dire de quand dater ces gravures. Donc la dalle de Saint-Bélec a été trouvée en contexte âge du bronze ancien. L'âge du bronze ancien, c'est autour de globalement 2100-1600 avant Jésus-Christ. Mais la dalle date-t-elle bien de cette période ou est-elle en réemploi? Donc on a compilé, on a passé en revue tout ce qui a été publié sur l'art mégalithique en Bretagne ou même plus loin. Et globalement, l'impression qu'on en a avec Clément, c'est que c'est vraiment un alien et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on connaît des gravures néolithiques qui datent en Bretagne plutôt du 5e millénaire, comme l'a démontré Serge Cassel. Donc elle se trouve dans une tombe qui est tout à fait typique de l'âge du bronze ancien, même si elle est d'un grand gabarit. Et donc là, de par la description, on ne peut pas non plus se tromper sur le fait qu'on a bien affaire à une tombe de l'âge du bronze ancien. Par ailleurs, Paul du Châtelier a mis au jour, lors de la fouille, les restes d'un vase biconique à anse avec des décors en chevron, tout à fait typique de cette période-là. Alors malheureusement, le vase apparemment était, alors je ne sais pas s'il était de mauvaise facture ou mal cuit, mais il a dû prélever des morceaux, mais il ne l'a pas remonté. Toujours est-il qu'on n'a pas pu le retrouver pour l'instant encore au Musée d'Archéologie Nationale. Mais il est probable qu'il se trouve dans un des nombreux tiroirs et qu'il soit peut-être même qu'il n'y ait même pas d'indication de provenance dessus. Voilà, donc en tout cas, ce type de vase, la description qu'en donne Paul du Châtelier est suffisamment précise. Il en a sorti suffisamment durant sa carrière ça laisse place à aucun doute sur la datation de la tombe. Un autre point qu'on a voulu expérimenter, un peu à la manière de Serge Cassen, qui avait fait ça sur certaines gravures néolithiques, c'est qu'on a voulu demander à des enfants qu'est-ce qu'ils pensaient de ces gravures. Donc il y a des copains instits qui se sont pliés au jeu et qui ont soumis la photo de Paul du Châtelier à la sagacité des enfants. Et moi, je l'ai fait aussi en cours à la fac. Et globalement, on peut dire qu'à 80%, vous avez quelques résultats, mais ça concerne qu'une seule école. Mais on l'a fait sur plusieurs autres écoles et avec d'autres groupes d'étudiants. Et globalement, à 80%, on arrive toujours à soit une planimétrie, soit un document cartographique. Donc pour moi, ce n'est pas une preuve non plus, mais c'est quand même un élément à prendre en compte. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour définir une carte, les géographes emploient certains, enfin, ont quelques conditions pour définir une carte telle quelle. Donc, il faut que ce soit une composition homogène, il faut que les motifs se répètent et il faut qu'il y ait toujours une relation spatiale entre ces motifs. Donc, en fait, la dalle de Saint-Bélec répond parfaitement à cette définition. Là non plus, vous allez me dire, c'est pas une preuve. Et c'est vrai.
Du coup, on s'est intéressé avec Clément à ce qui se passait ailleurs dans le monde ou ailleurs en Europe concernant les cartographies préhistoriques. Et est-ce qu'on pouvait trouver des éléments concordants pour comparer avec notre dalle. Donc, il y a deux types de cartes géographiques. Hein. Il y a les cartes planimétriques comme en haut à gauche. C'est un plan cadastral qui a été découvert en Irak et qui date également de l'âge du bronze. Des cartes en images comme ici sur cette fresque minoenne. La notion de carte peut varier et donc vous voyez que les planimétries existent dès le deuxième millénaire, donc ce n'est pas du coup l'argument de notre reviewer n'est, alors que c'est peut-être aussi une méconnaissance un peu de la bibliographie sur la question. Si je remonte encore plus dans le temps, il y a des archéologues, des préhistoriens qui ont publié, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des cartes. Pour moi, c'est un peu abusif, mais en tout cas, des documents sur lesquels on voit des hameaux, des villages, des huttes, parfois même peut-être on peut imaginer des rivières. En tout cas, ça a été publié tel quel, et cela pour le paléolithique supérieur. On a également une autre figuration topographique qui est intéressante, c'est à Çatalhöyük. Village du néolithique qui est assez célèbre en Turquie. On y voit une planimétrie qui correspond, d'après les archéologues qui ont fouillé, au village néolithique, donc les maisons rectangulaires que vous voyez en bas. Et en haut, ce qui a été interprété comme un volcan en éruption. Alors ça reste aussi une interprétation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des volcanologues qui sont intéressés à la question il y a quelques années. En fait, ils ont travaillé sur ce volcan, j'ai oublié son nom, qui est visible depuis le village de Çatalhöyük. Et en fait, l'éruption, il a été en éruption au moment où le village était occupé. Donc globalement, l'interprétation est complètement plausible, même si là encore, évidemment, on n'a pas le texte qui nous permet de le démontrer. Un peu plus tard, un peu plus tôt, pardon, dans les Alpes, on va voir apparaître aussi des figurations topographiques, mais qui ne représentent que des parcellaires. Donc, dernièrement, les collègues de l'INRAP là, ont mis au jour sur un site mégalithique à Massongy, dans Haute-Savoie, vous voyez sur une dalle qui ressemble à une espèce d'imbroglio si on cumule toutes les gravures en haut à gauche. Et en fait, si on fait un phasage justement des gravures, on se rend compte que on a, semble-t-il, des représentations de parcellaires avec éventuellement, dans certains cas, un chemin qui traverse ce parcellaire et qui évolue au fil du temps. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, mais ça diffère de ce que nous on a sur la carte de Saint-Bélec, en ce sens où ça représente juste une petite portion d'un terroir et non pas un territoire plus vaste. Plus près de chez nous, Serge Cassène, qui, comme vous le savez ou pas, en tout cas, a repris la question de l'art mégalithique il y a maintenant 15 ans, à peu près, 20 ans même, est en train de relever en systématique tout l'art mégalithique qu'il y a dans toutes les tombes ou sur tous les mégalithes de Bretagne, a relevé à nouveau la fameuse stèle de Saint-Sanson sur Rance, qui avait déjà fait l'objet de relever, mais là, il a refait ça avec les techniques. À peu près les mêmes techniques que celles qu'on a utilisées nous, lumière rasante et scanner. Et donc il a mis en évidence à Saint-Sanson sur Rance, vous voyez, tout un système de parcellaires associés aux symboles classiques qu'on a au néolithique, que sont la hache, des représentations de bovins et de bateaux. On a également sur 4 dolmens, je crois qu'il n'y en a que 4, c'est essentiellement des tombes à couloirs, qui se trouvent sur le littoral sud-armoricain, des représentations de réticulés complexes, donc au Butanera justement, le fameux. Alors au Butanera, il faut savoir que les gravures, les dalles gravées, on pourrait les retrouver, mais le fouilleur les a enterrées sur place pour pouvoir les préserver. Donc si jamais on veut aller les relever à nouveau, celles-là, on sait où elles sont assez indiquées, donc il faut aller refouiller le site, il faut le réouvrir. Pougouen à Pamar, plus près de chez nous, où on a un réticulé, ou plusieurs réticulés d'ailleurs, plusieurs dalles avec des réticulés complexes, et pour une d'entre elles, Serge Cassé... Pierre Gouletker et Olivier Veller ont
émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir de marais salants. Alors c'est une hypothèse aussi plausible finalement que dire que c'est du parcellaire agraire, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, ce type de représentation de réticulés complexes ne se trouve que sur le littoral sud-armoricain, là où historiquement nous avons des marais salants. C'était une petite digression. On a également, surtout de la façade atlantique, excepté en Bretagne, mais du Portugal, Espagne jusqu'en Écosse, des dalles ornées ou des affleurements ornés avec beaucoup de cupules, des cup and ring surtout. Donc les cup and ring, ce sont une cupule entourée d'un cercle gravé. Il y en a quelques-unes en Bretagne, mais elles se comptent vraiment sur les doigts d'une main, alors que ce sont vraiment des symboles très très courants dans les pays que j'ai mentionnés. Et comme vous pouvez le constater, ils sont également associés à des lignes qui les relient, qui les rejoignent, avec des réticulés. Et dans certains cas, on a vraiment l'impression qu'on a affaire également à des planimétries. Certains auteurs, d'ailleurs, l'ont publié, mais là encore, c'est toujours le même souci. On n'a pas la démonstration que les représentations correspondent à un territoire, à un paysage qui existe vraiment. Dans ces territoires atlantiques, un autre exemple là, avec des cup and ring et puis des réticulés complexes là au Portugal ou en Galice encore. Alors si on fait un bond dans le temps, on arrive dans l'âge du fer, premier âge du fer, on va avoir des... Alors là, pour le coup, c'est marrant, on passe dans l'âge du fer, et là, on va parler de cartes. Et les premiers archéologues qui les ont décrits ont écrit que c'était des cartes. Et depuis, tout le monde glosse dessus, y compris les géographes. Ce sont des cartes, il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez, vous avez devant vous la carte de Bedolina, peut-être la plus célèbre, qui date du premier âge du fer. En fait, qui ne se limite pas à ce bloc rocheux, puisqu'en fait, il y a un énorme bloc qui n'a pas été relevé. Vous voyez que les relevés, ce sont des relevés qui ont été faits un peu de manière old school, et qu'il faudrait complètement les revoir. Et en plus, il y a plusieurs phases, c'est-à-dire que ces gravures ont été réalisées au moins en trois phases de gravure. Donc, mais en tout cas, voilà un exemple qui n'est pas remis en question, et tout le monde s'accorde, notamment une géographe, j'ai oublié son prénom, mais Madame Brocard, qui a publié un article en disant, mais oui, évidemment, c'est une carte, et voilà ce qu'elle en a tiré, les maisons, les maisons, la place centrale au milieu en rouge, le réseau de chemins et de routes, et voilà, et les différents éléments. Mais là encore, moi ça ne me dérange pas du tout que ce soit une carte, bien entendu. Le problème, c'est que qu'est-ce que ça représente? Parce qu'en fait, on se trouve quand même en altitude, sur dans le Val Camonica, donc on est quasiment en haute montagne, en tout cas en moyenne montagne, et qu'en gros c'est une zone de pâturage, c'est une zone d'alpage. Donc qu'est-ce qu'ils ont représenté? Est-ce qu'ils ont représenté un village qui se trouve en contrebas? C'est possible, mais en tout cas on n'a pas fait le lien encore entre cette gravure et le village, s'il a existé. Donc toujours une autre carte, Serradina, qui est tout à fait dans la même travée que la précédente, et qui est même période, et qui est publiée tout à fait comme étant une carte aussi, mais de la même manière, il n'y a pas la démonstration qu'elle représente un paysage donné. Alors, quittons un peu l'Europe, allons voir un peu ce qui se passe ailleurs, et allons voir si on ne trouve pas des exemples un peu plus probants, ou en tout cas qui vont nous donner un peu de grain à moudre. Sur la pierre des Shoshonis, dans l'Idaho, vous avez c'est une pierre qui est entièrement gravée, hein. Vous voyez, il y a des symboles de partout sur la photo. Il y a des archéologues qui ont travaillé sur cette carte, et en fait qui ont travaillé en lien avec les Amérindiens. Et cette dalle plutôt, on y trouve de manière schématique la carte d'une grande rivière et de différents points, des lieux importants justement pour ces Amérindiens, les endroits où on chasse, les grandes montagnes, enfin les points, on va dire, évidents du paysage, donc c'est-à-dire l'hydrographie,
les cols, les montagnes et évidemment les points de chasse. Alors ailleurs dans le monde, notamment en Afrique du Sud, on a plusieurs dalles de ce type qui sont des blocs ornés. Donc vous voyez, on a des espèces de cup and ring, c'est pas tout à fait ça, en tout cas de spirales qui sont reliées par tout un lacis plutôt de gravures qui font penser à des chemins, des symboles un peu plus complexes. Là aussi, pour les descendants, parce que c'est les descendants, mais en tout cas les gens du coin, les indigènes, ce type de gravure en fait correspond au village de leurs ancêtres. Et donc, quand on regarde sur une photo aérienne Google du secteur, on voit en effet apparaître des villages qui sont enceints, qui sont enclos, qui pourraient en effet matcher avec certaines des représentations. Mais le travail de corrélation entre les deux n'a jamais été réalisé pour l'instant. Donc, c'est juste ce que pensent les gens du coin, enfin de maintenant. Et pour eux, ce sont des représentations des villages, des ancêtres. On pourrait aussi parler de l'Australie, où c'est un peu plus complexe encore, puisque les cartes qui sont représentées là-bas sont des cartes qui sont réalisées quand les gens sont en transe. Et donc, j'ai envie de dire, on va mettre ça de côté, parce que pour moi, c'est vraiment complètement autre chose par rapport à ce à quoi on est confronté à Saint-Bélec. Alors on a aussi la question des cartes mentales. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, et ça rejoint tout à fait la remarque que nous a faite un des reviewers en disant les sauvages de l'âge du bronze ancien n'étaient pas capables de faire des planimétries. Je vous laisse lire rapidement cette citation qui est très intéressante, mais qui montre clairement que voilà, les arrivants, les colons, quand ils étaient confrontés au peuple indigène, et que ce soit au 17e ou 18e, 19e, de manière un peu condescendante, étaient toujours étonnés de voir leur capacité à leur expliquer, à leur dessiner une carte, soit même ils faisaient eux-mêmes des cartes. Donc tout ça pour dire que en fait les cartes c'est pas l'européen et c'est pas l'homme blanc qui a apporté ce savoir. On peut aussi prendre l'exemple qu'Edmond Bernus a publié, hein, c'est sur les Touaregs. C'est quelque chose qui a été réalisé à plusieurs reprises. En fait, les Touaregs disposent de cartes mentales, mais alors ce ne sont pas des petites cartes mentales, c'est des cartes mentales sur plusieurs centaines de kilomètres, puisqu'en fait, vous savez que ce sont des grands... des gens qui se déplacent beaucoup sur des centaines de kilomètres dans le désert. Et donc, en fait, ils connaissent les routes, les points d'eau, les oued, et tout ça, ils sont capables de le cartographier aussi, si on leur demande de le faire dans le sable ou sur un bout de papier. De la même manière, ça c'est une enquête qui a été menée chez les Papous, chez les Yupno exactement. Et donc un ethnologue leur a demandé, enfin à plusieurs membres d'une même tribu, de représenter leur territoire. Donc vous voyez que vous avez donc 6 cartes de représenter. Et 6 cartes finalement, même si elles ont des analogies, elles présentent des analogies entre elles, sont assez différentes. Et pourtant il s'agit du même territoire. Donc il y a aussi une part de chacun voit un peu différemment le territoire qui l'environne, qui le vit au quotidien. Donc la dalle de Saint-Bélec est-elle la carte d'un territoire? Et là on commence à se rapprocher de l'interprétation finale. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a pu avoir devant nous la dalle de Saint-Bélec, là, comme ça. Déjà, il y a un premier truc qu'on a constaté avec Clément et qu'on ne voyait pas du tout sur les photos de Paul du Châtelier, c'est qu'elle n'était pas, ce n'était pas une planimétrie, mais qu'elle était, en fait, il y avait pas mal de surface en bas-relief. Donc en fait, il faudrait plutôt parler de plan-relief que de planimétrie. Et nous, notamment, vous voyez ce triangle
qui est entouré par le rectangle bleu en bas, a été partiellement évidé, volontairement. Enfin, partiellement, oui, il a été évidé. Et donc, du coup, ils ont laissé aussi en bas-relief certaines parties, notamment le rectangle dont je vous ai parlé au tout début. Et ce rectangle, ben, tout de suite, quand on est allé, après avoir vu la carte physiquement, et qu'on est retourné avec nos relevés en main, qu'on est retourné sur le site, on s'est dit tout de suite, et là, ça nous a vraiment frappé, c'était une seconde révélation. Il y avait la première conviction qu'on avait affaire à un document cartographique. Et là, en deuxième, c'était, mais oui, c'est évident, ils ont représenté ce qu'ils voyaient, enfin, en tout cas en partie, et donc la vallée de l'Aude. Et ce petit massif en bas-relief que l'on voit là, le massif rectangulaire, c'est le massif de l'Andudal, que l'on voit aussi comme le nez au milieu de la figure quand on est sur le tumulus de Leon. Ensuite, à partir de là, ça a été, j'ai envie de dire, très facile. On a commencé à... On travaillait déjà avec Pierre Stéphan. On avait Juliette Pierson qui est arrivée, qui est géomaticienne, qui maîtrise tous ces logiciels de traitement de cartes. Et en fait, globalement, ce qu'elle nous a dit, c'est « Ok, dites-moi ce que vous voyez sur cette carte. » Donc on lui a dit. Nous, on voit la ligne de crête des montagnes noires. On voit telle rivière... on voit les collines de Quadri, etc. Donc on lui a dessiné tout ça. On a fait une espèce de carton, en fait, simplifié, en fait, une espèce de carte simplifiée des environs. Et ensuite, tout ça a pu être mouliné dans des logiciels sur lesquels elle a fait des tests. Donc voilà, là, c'est globalement le carton hein, que vous avez à droite de la zone. Donc les montagnes noires, le massif de l'Andudal, les collines de Quadri et les principales... le principal réseau hydrographique que Clément et moi, on voyait sur la dalle. Donc, l'Aude, c'était l'évidence, avec la ligne de crête des montagnes noires. Ensuite, on a pu repérer l'Isole et le Sterlaer, ainsi que deux, trois petites rivières. Et enfin, et là, c'était plus compliqué, parce qu'en fait, vous voyez la partie haute et manquante. Mais en fait, depuis le départ, moi, ça me posait question, cette ligne qui était tracée très profondément, qui avait été réalisée dès le départ. Je me suis dit, mais si ça a été réalisé dès le départ, c'est que c'est forcément quelque chose de marquant dans le paysage. Et en faisant abstraction du morceau qui manquait, donc vous voyez qu'on a mis en pointillé, eh ben, on s'est dit que ça ne pouvait être que l'Aulne. Donc Julie, fort de toutes ces données qu'on lui a fournies, a passé à la moulinette tout ça, a fait des tests statistiques, et donc est arrivé à la conclusion que à environ 70-80%, selon les tests réalisés, ce que l'on voyait, nous, hommes modernes, sur cette carte, correspondait bien à la cartographie du territoire, d'un territoire. Histoire de donner un peu plus de poids à notre démarche, on a pris les exemples Touareg, puisque les exemples Touareg ont été faits sous contrôle, donc voilà, ont été publiés par Edmond Bernus, les exemples Yupno de la même manière, et en fait, on s'est rendu compte que les cartes Touareg, les cartes mentales, étaient fiables à 62%, et les cartes Yupno environ à 75%. Et encore, on n'en a pris qu'une, on a pris la plus complexe, parce que vous avez vu tout à l'heure, il y en avait 6. Donc finalement, la carte de Saint-Bélec est finalement une carte de très très bonne facture, et matche bien avec la réalité. Donc à partir de là, on a également pu faire des points, une fois qu'on avait démontré qu'on avait la démonstration à peu près 80% qu'on était face à un territoire existant, reconnu, on a pu faire des points de géoréférencement et donc recaler cette dalle-là dans le territoire actuel. Donc ce qui a permis de mettre en évidence que la carte couvrait un territoire d'une trentaine de kilomètres sur 20 à peu près, au milieu des montagnes noires. Et ce qui est donc intéressant, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est que cette dimension-là correspond à peu près aux principautés de l'âge du bronze ancien tel qu'on les connaît. C'est à peu près la surface. On a également essayé de pousser un peu le bouchon avec Clément en allant faire quelques prospections préliminaires, même si c'est le travail des années à venir. Mais essayer de voir un peu si on pouvait retrouver ce motif central qui quand même nous titiller. Et on a trouvé deux possibilités, donc soit à Kassel-Ruffel où il y a une enceinte qui est décrite
par le Maine, une enceinte avec des blocs mégalithiques qui se trouvent sur la ligne de crête des Montagnes Noires. Et il y a également le bourg de Rodoualec qui pourrait correspondre, d'autant plus que le bourg de Rodoualec est coupé par, par la voie dite romaine allant de de Tronoën, ça c'est sûr, à l'ouest, et de l'autre côté, elle va jusqu'à Pôle, globalement. Je sais plus où elle s'arrête. Mais et cette voie-là, qu'on pensait donc une voie antique, Jean-Paul Le Bihan, à travers différentes fouilles sur Quimper, avait réussi déjà à la faire remonter à l'âge du fer. Moi, j'avais fouillé à Ergué-Gabéric il y a quelques années aussi, un habitat de l'âge du bronze ancien, donc contemporain de la dalle de Saint-Bélec, où c'était assez marrant parce qu'en fait, les champs, le parcellaire, étaient disposés de manière complètement orthonormée par rapport à cette voie. Donc Ergué-Gabéric, pour information, ça se trouve à peu près en limite est de la carte que vous avez devant les yeux. Et donc voilà, donc Rodoualec pourrait être également un bon candidat pour cette enceinte centrale. Donc ça, si on veut dire, c'est les recherches à venir qui, j'espère, permettront de le démontrer. Donc voilà, les deux plans des enceintes. Hein, la découverte, l'enceinte de Castelruffel, malheureusement, a été largement détruite par des carrières. Mais il y a un géomètre, un des géomètres qui a réalisé le cadastre d'Apollonien, qui devait s'intéresser un peu plus à l'archéologie que les autres, et donc qui a relevé, qui a coté cette enceinte. Donc vous voyez, il y a le cercle représenté en haut à gauche. Mais c'est une enceinte circulaire. Et non pas avec un motif, avec ces espèces d'antennes en direction du nord. Et en revanche, le bourg de Rodoualec, vous voyez qu'il est enserré en partie par une rivière, et en partie droite, il y a une anomalie de terrain. Et donc, on retrouve cette forme qui fait évidemment bien penser, et en plus, d'autant plus si on rajoute cette voie gallo-romaine, qui pourrait être donc du coup ce trait horizontal qui partage en deux la dalle de Lehan. D'autres exemples, ça c'était Clément qui avait vraiment tilté. Et c'est marrant parce qu'en fait on n'a pas tilté ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est on s'est dit qu'on avait affaire à un document cartographique à peu près 10 ans d'écart, mais pas pour les mêmes raisons. Moi je pense que c'est parce que j'avais gardé mon âme d'enfant et que je me suis dit comme les enfants, c'est une carte. Et Clément, lui, en fait, il raisonnait plus en archéologue. Et il se trouvait que les collègues de l'INRAP venaient de fouiller l'enceinte de Bel Air à Lannion, une grande enceinte de l'âge du bronze ancien. Cette enceinte est donc, juste à la sortie de l'enceinte, vous avez deux gros tumulus. Un peu plus loin, dans l'axe de l'entrée de l'enceinte, vous avez le gros tumulus princier de la Motta. Et juste à côté passe une voie dite gallo-romaine. Et donc lui, ça lui a fait penser à ça, c'est ça qui lui a fait penser qu'on avait affaire à un document cartographique. Donc le contexte archéologique du secteur, de la basse Bretagne à cette époque, c'est en fait plusieurs territoires, pas très grands, ce que je vous disais, à peu près 30 km de côté, et donc dirigé par des petits rois que Jacques Briard avait appelé les princes d'Armorique, les petits princes d'Armorique. Je pense qu'il faut abandonner ce terme, hein, ce sont des rois, même s'ils ne gèrent pas un territoire de très très grande taille, clairement ce sont des gens qui ont tous les insignes du pouvoir, comme vous pouvez le voir à droite, épée, poignard, brassard d'archer, hache en bronze et pointe de flèche armoricaine, et éventuellement d'autres objets en matière première, en matière précieuse. Donc voilà en gros ce à quoi pourraient correspondre justement ces territoires de l'âge du bronze ancien si on applique la méthode des polygones de Thyssen, c'est-à-dire qu'on prend comme centre d'un territoire, territoire potentiel évidemment, les tumulus princiers. Et donc vous voyez que justement, dans le secteur de Lehan, il y avait un gros vide, puisque le seul tumulus princier qui existe dans cette zone montagneuse se trouvait dans les monts d'Arrée, au nord, à Kergué-Varec, et il n'y avait rien pour les montagnes noires. Donc en fait, si on replace dans notre
géographie politique de l'âge du bronze ancien, cette dalle de Lehan, elle pourrait correspondre à un territoire d'un roi que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas encore la tombe. Donc je vais terminer sur cette dernière partie pour essayer de replacer un peu cette découverte donc de la dalle de Lehan dans son contexte plus général. Hein. Donc à l'âge du bronze ancien, en Europe, on a l'émergence de plusieurs sociétés très très hiérarchisées, que ce soit à Unétis, dans le Wessex, en Bretagne ou à El Algar, pour ne citer que les plus occidentales. Des sociétés qui sont toutes plus ou moins en lien, enfin les élites au moins. On voit des biens socialement valorisés qui vont passer de l'une à l'autre de ces entités, avec évidemment des connexions plus marquées entre Bretagne, massif armoricain, et Wessex. Parce que ce que je n'ai pas dit et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que maintenant, depuis quelques années, notamment grâce à l'archéologie préventive, on se rend compte que la basse Normandie fait partie également, fonctionne avec la basse Bretagne. On a exactement le même phénomène. Des petites différences, notamment dans la forme des tombes, mais en tout cas, on retrouve exactement le même phénomène. Par contre, pour ce qui se passe en pays gallo, ça a l'air d'être assez différent. Donc, qu'est-ce qui se passe à cette période-là, à l'âge du bronze, pour qu'émergent des sociétés aussi florissantes? Bah, clairement, ce qu'on voit assez bien à travers l'étude des tombes, si on prend les tombes depuis le néolithique moyen, les allées couvertes du néolithique récent final, etc., jusqu'à l'âge du bronze ancien, c'est qu'il y a une explosion à l'âge du bronze ancien. On va voir le territoire complet se couvrir de tombes et de cimetières. Vous avez déjà dû entendre parler aussi de la découverte du cimetière de Plougonvelin l'année dernière. C'était, je crois, au printemps également ou à l'hiver. Donc une fouille faite par un collègue de l'INRAP où il a mis au jour 52 ou 53 tombes sur une toute petite surface. Évidemment, c'est exceptionnel, mais on en connaît d'autres, notamment celui de Rohrkrum qui avait été fouillé par Yannick Le Cerf il y a déjà quelques décennies. Et il y en a plein d'autres, mais dont on a en fait fouillé 3, 4, 5, 6 tombes. Et en fait, c'est grâce à l'archéologie préventive qu'on peut, en décapant sur de grandes surfaces, qu'on peut les fouiller intégralement. Donc, oui, la société, je vous le disais, est extrêmement hiérarchisée à cette période-là. Donc, on va avoir des tombes élitaires, donc celles des rois, des princes. C'est dans ces tombes-là qu'on va trouver le plus de choses, hein, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, des poignards, des pointes de flèches. Pas n'importe quelle pointe de flèche, hein, c'est des pointes de flèches faites par des artisans spécialisés. C'est, pour l'instant, personne n'est capable de reproduire d'ailleurs exactement les plus fines, les plus belles de ces pointes. On a tous les objets de prestige que j'ai mentionnés. Ensuite, on va avoir des tombes d'un rang légèrement inférieur qui vont être des tombes à poignards. Des tombes ensuite à poignard et poterie, des tombes à poterie, et puis les tombes des communs, enfin des gens du peuple où on ne va rien trouver. Et en fait, c'est quelques exemples d'objets, de goodies, comme disent les Anglais, d'objets socialement valorisés qu'on peut trouver dans ces tombes. Donc, vous voyez les poignards généralement sont dans un fourreau en bois, enfin dans un fourreau qui est hyper investi avec des peaux, des coutures, des tissus, etc., quand on en trouve des traces encore. Les manches sont ornées de clous en or, mais millimétriques. Donc il faut imaginer le travail de précision que ça requiert. Je pense qu'aucun artisan actuellement serait capable de reproduire ce genre de choses. L'orfèvrerie avec des espèces d'ersatz de brassards d'archer, en fait, c'est des détournements d'insignes. De la période précédente, du campaniforme, qu'on va retrouver dans des matériaux précieux, donc là en or, mais ça peut être en jet de Whitby, en ambre, comme à Kernonen à Plouvorn, et puis autrement des gobelets, qui ne sont pas sans rappeler aussi les gobelets campaniformes par leur forme, mais qui vont être en argent ou en or. Donc, cette société hiérarchisée est basée sur une économie qui se fait largement au profit des élites. Donc en fait, ces élites vont contrôler les secteurs les plus intéressants pour elles. Donc il va soit s'agir des zones les plus riches, les plus fertiles,
ou bien alors des points de contrôle intéressants, notamment sur les voies maritimes. Je vous ai dit qu'il y avait des échanges assez réguliers entre les îles britanniques et la Bretagne, mais également des liens avec la péninsule ibérique. Donc évidemment, c'était intéressant de pouvoir maîtriser des estuaires, des rias, et notamment ici sur la Laïta, qui est un exemple tout à fait intéressant, puisqu'en fait sur le même fleuve, on va avoir deux tombes princières, légèrement décalées chronologiquement, il y en a une qui est un peu plus récente que l'autre, mais qui participent exactement du même phénomène, le contrôle de cette ria, et donc du coup du contrôle aussi des voies maritimes. On a également la même chose pour les voies terrestres, hein, maintenant qu'on se rend compte que une grande partie des voies dites antiques datent, on peut les prédater, non pas de la période gauloise, mais bien de la période de l'âge du bronze ancien, là aussi on se rend compte que souvent les sites importants sont implantés juste à côté d'axes de communication terrestre. Donc là, c'était juste pour vous montrer une carte avec en corrélant en fait les tombes princières ou royales avec le prix des terres actuelles, qui est juste une indication parce que les terres ça évolue et que les leuses, vous savez que la couverture leucique qui est quand même qui fait tout l'intérêt notamment de la ceinture dorée de la Bretagne là, et du Léon. Les leuses, il y en avait beaucoup plus auparavant, mais qu'avec l'érosion des sols, on en a perdu énormément. Voilà, et puis quelques exemples aussi. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est ça aussi, c'est une révolution à l'âge du bronze ancien. C'est là qu'on va voir aussi éclore partout en Europe. Là, on a des exemples en Suisse, en France, en Bretagne, en Cornouaille anglaise, en Écosse, en Irlande, de grands parcellaires, mais c'est pas juste 2-3 champs, c'est vraiment des parcellaires avec des fossés ou des murs, ça peut être les deux, ça peut être des murs en pierre sèche, et en fait qui séparent de très très grandes zones. Et en Basse-Bretagne, ici, on a encore la chance, du côté de Landunvez, Porspoder, d'avoir des lambeaux de ces champs qui sont encore visibles en élévation. Je pense que vous avez la même chose aussi dans les monts d'Arrée, mais il faudrait aller les chercher. Et puis, bizarrement, vers 1700-1600, il se passe un truc. On ne sait pas encore quoi, mais ça ressemble quand même à un effondrement de ces sociétés qui avaient l'air pourtant d'être tout à fait pérennes, qui ont d'ailleurs duré 300-400 ans, qui échangeaient entre elles, qui en gros dirigeaient l'Europe de l'Ouest. Et puis voilà, ça se casse la figure. On va enterrer par exemple le disque de Nebra et le dépôt qui va avec, qui date également de l'âge du bronze ancien, hein, c'est contemporain. Le disque de Nebra, c'est une représentation céleste et c'est contemporain de la dalle de Léon. On voit que partout ça se casse la figure. Alors évidemment, on peut mettre beaucoup de choses sur le dos de la climatologie, hein, et il se trouve que, coup de chance, il y a une grosse péjoration climatique qui apparaît à cette période, donc c'est peut-être pas complètement illusoire de penser qu'il y a une corrélation à faire, il y aurait une corrélation à faire entre justement l'effondrement de ces sociétés et une suite d'années tempétueuses avec des mauvaises récoltes. Et vous savez que les mauvaises récoltes, généralement, c'est ce qui entraîne des famines, et puis etc. Et donc, du coup, s'il y a un pouvoir, les gens du peuple se retournent contre le pouvoir. Et c'est comme ça qu'on arrive à la Révolution française. C'est peut-être plus compliqué que ça. En tout cas, il est vraisemblable que c'est joué dans... ça a dû peser dans la balance. Donc, à quoi ça correspond cet enfouissement de la dalle de Léon dans une tombe? C'est un peu la question à $1 million, en fait, parce que on a vraisemblablement un plan relief d'un territoire. La dalle a été brisée sur place. Alors la question, c'est est-ce qu'il s'agit d'un geste volontaire ou est-ce que c'est involontaire? La dalle étant fragile, elle s'est cassée, etc., en étant déplacée. C'est une dalle qui pèse plus d'une tonne, comme je le disais. On peut imaginer que ça soit involontaire.
Est-ce qu'il y a une portée symbolique à cet enfouissement? Probable que oui, en fait, parce que c'est quand même... ça serait étonnant de penser qu'on est juste un simple réemploi d'une grosse dalle pour la mettre dans une tombe. D'une grosse dalle ornée. Enfin, il faut imaginer la portée de la chose. Si on a, comme je vous disais, on a le disque de Nebra qui est en plus enterré à la même période, si on enterre ces choses, c'est qu'il se passe quelque chose dans la société. Et après, il y a aussi la question de savoir qui a été enterré là. Est-ce que la dalle, en fait, reflète d'une certaine manière la position hiérarchique de la personne qui a été enterrée? De qui s'agit-il? Est-ce que c'est le dernier roi, le dernier d'une dynastie qu'on a enterré là, et symboliquement, on l'a enterré avec son territoire? Est-ce qu'il s'agit d'un scribe? La personne, alors d'un scribe, vous allez me dire, c'est marrant, tiens, écriture, société sans histoire, oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que, en fait, ce qu'on a montré avec Clément et les autres, c'est qu'on avait bien affaire à une carte, mais on n'a pas du tout décrypté cette carte, enfin, juste en partie. Tous les symboles que je vous ai mentionnés, ces espèces de patatoïdes avec des cupules, qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien pour l'instant. Donc tout ça, c'est vraiment un programme de recherche qu'on va mettre sur pied avec Clément et les autres pour essayer de faire des prospections systématiques, du lidar, différentes choses, pour essayer de repérer certaines des choses qu'on n'a pas vues. Alors là aussi, il y a pas mal de gens qui sont sceptiques sur la possibilité de faire cela, mais en même temps, si on avait écouté les sceptiques, on n'aurait pas été au bout de cet article-là non plus. Donc on va continuer à rêver un peu et essayer de trouver la chose. Et puis, pourquoi pas, ça pourrait être aussi la tombe d'une nouvelle classe émergente, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est aussi la 1600, 1500, c'est la fin de l'âge du bronze ancien. Et donc, l'âge du bronze moyen, on va arriver à une société, clairement, où les armes vont être beaucoup plus présentes, les dépôts métalliques beaucoup plus présents, il y a une refonte complète de l'organisation sociale, spatiale aussi, les habitats ne se retrouvent pas au même endroit. Donc, les tombes ne sont plus des tombes individuelles, on va voir l'incinération arriver. Donc globalement, il y a vraiment un gros, gros changement de paradigme à cette période. Donc voilà, à quoi correspond cette tombe et donc l'enfouissement de cette dalle ornée dedans? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. C'est aussi pour ça qu'avec Clément, on a fait une demande de fouille auprès du service régional de l'archéologie. Et donc en octobre prochain, on va réouvrir le tumulus. On va le fouiller entièrement et on va essayer de voir si Paul du Châtelier n'a pas oublié quelques éléments, ou bien alors, même s'il n'a rien oublié, mais que nous, on puisse trouver des éléments de datation, enfin, faire des observations, parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que maintenant, il y a eu beaucoup de tumulus fouillés intégralement via l'archéologie préventive, ou pas d'ailleurs. Yves Ménez en a fouillé plusieurs à Paul en les décapant entièrement, et c'est en les décapant entièrement qu'il a pu reconnaître qu'il y avait beaucoup de tombes, souvent des tombes adventices dans la masse des tumulus. Donc il y a la tombe centrale qui est souvent la tombe primaire, mais tout autour il peut y en avoir plein d'autres, il peut y en avoir jusqu'à 20 en fait. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on veut essayer de glaner, peut-être un bout de dalle qui manque, qui va pouvoir compléter quelque chose. Enfin voilà, on se disait que pour remonter un programme et pour repartir du terrain, c'était un bon point de départ de repartir justement du tumulus, de la fouille du tumulus. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires ou des critiques, c'est le moment. Je vous écoute. Ah, le micro. Bon, je suis un illustre inconnu et donc c'est peut-être pas la place que je me présente. Dans les cartes que vous avez citées sur le plan historique, vous n'avez pas évoqué celle de Bohuslav Klima sur le site de Pavlov en Moravie. Mm-hmm. Donc on est c'est beaucoup plus ancien en fait. Et j'ai essayé j'ai retrouvé effectivement cette information comme quoi ce serait effectivement dessiné sur un morceau d'os, une carte du territoire de Pavlov, donc sur les bords du Danube. Mm-hmm. Mais par contre, j'ai pas trouvé d'explication, y compris sur d'autres articles, où on puisse effectivement corréler, comme vous l'avez fait, le document lui-même avec la réalité du terrain. Je pense que c'est, en fait, c'est,
C'est peut-être là, c'est une des approches originales, des coups de chance qu'on a eus, je ne sais pas comment le dire, mais parce qu'il y a toujours une partie aussi un peu de chance dans la recherche, mais c'est de pouvoir justement corréler ces gravures à un territoire vraiment existant. En fait, on aurait pu écrire l'article en disant, OK, on a une carte, mais on ne sait pas ce que ça représente. Et au début, on était parti pour faire ça, parce que on avait juste l'intuition que c'était une carte. Donc on aurait pu avoir un article assez abouti en disant, oui, il y a de fortes présomptions que ce soit une carte. Mais, et c'est ça qui, pour l'instant, on n'a pas trouvé avec Clément dans la bibliographie, c'est des gens, pourtant il y a des cartes préhistoriques de publiées, ou proto-historiques, mais on n'a jamais vu le lien avec le paysage et donc avec des tests, des tests statistiques comme ça a été fait par Julie et Pierre. Et donc, c'est vrai que bon, là, c'est un peu, il y a beaucoup de choses qui nous tombent dessus, mais c'est vraiment un sujet. On aimerait bien mettre un étudiant en thèse sur la question. Pas forcément, il prendrait pas forcément 10 sites, mais 4, 5, 6 sites peut-être en Europe, face à l'Atlantique. Et évidemment, suite à la publication de l'article, il y a pas mal de collègues qui nous ont envoyé des photos de dalles ornées ou d'affleurements ornés qui font vraiment penser à des gravures. Et eux, ils nous disent, regardez, là, les montagnes, machin, ça pourrait marcher. Et faut y aller, faut scanner, et après, faut faire l'analyse géostatistique, et puis on verra si ça marche. Merci. Mais ouais, je pense que la reproductibilité de la méthode est hyper intéressante. Ouais. Je vous ai assommé. C'est la fin de journée, tout le monde a faim en plus. L'article est publié dans le bulletin de la Société préhistorique française. Tu m'envoies un mail, je t'envoie le PDF. Et autrement, il sera publié dans l'Oxford Journal of Archaeology, le prochain numéro. Ça, c'est pour les anglophones. Sûr, pas d'autres questions, pas de regrets. Yacine, non? Une petite question, vas-y. Est-ce qu'il y a vraiment un truc sérieux qui a pu arriver dans les 6 mois et qui pourrait vraiment aboutir sur une recherche complète comme vous l'avez fait avec Clément là, c'est-à-dire une mise en relation de gravures avec un site? On a eu pas mal de contacts. Alors, il y a eu des gens très farfelus, il y a eu des gens très sérieux. Donc on a fait le tri, on a gardé tous les contacts, les photos qu'on nous a envoyées, on a commencé à faire déjà à trier par région européenne ou du monde, parce qu'il y a aussi des sites, je sais pas, en Afrique du Sud ou en Australie, qu'on aimerait bien aller voir. Et voilà, mais j'ai pas connaissance pour l'instant d'équipe de recherche qui se soit mise à travailler un peu de la même manière, qui se soit dit, ils l'ont fait, on va essayer de reproduire l'expérience. En tout cas, on a eu des très bons retours de la part de géographes. Donc ça, c'est plutôt, on était plutôt content. Et pas que de notre labo en plus. Donc, tu vois, c'est... Et voilà. Et je pense que les archéologues ont trouvé ça chouette aussi. Ça a peut-être fait sauter un verrou aussi. À savoir qu'en France, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en off, quand tu discutes avec eux, enfin moi j'ai discuté avec certains collègues néolithiciens qui m'ont dit, quand on a présenté ce travail, il n'était pas encore complètement abouti, mais en réunion d'équipe, nous ont dit moi j'ai un truc, ça fait un petit moment, mais je pense que j'ai toujours pensé que c'était un document cartographique, mais en fait j'ai jamais osé le publier, donc j'attends que vous le publiez, vous, votre dalle de Saint-Bélec, pour derrière m'engouffrer dans le truc. Donc on va voir dans les 2, 3, 4 prochaines années s'il y a des articles qui paraissent sur ce sujet en France, mais c'est vrai que
c'est complexe parce que il y a cette histoire d'évolution. Donc il y a encore plein de gens et ça rejoint notre reviewer là qui nous a retoqué dans une revue dont je tairai le nom. Mais je pense que ouais, c'est marrant de penser ça quoi, que les gens de la préhistoire, du néolithique, ne sont pas capables de faire une carte. Alors que on fonctionne tous avec des cartes mentales. Alors maintenant, je veux dire, ce serait peut-être maintenant qu'on est les plus mauvais. Parce qu'on est tellement assisté par des outils numériques que je pense qu'il n'y aurait peut-être plus que... Non, je ne sais même pas... Enfin, dans notre société actuelle, je ne sais même pas qui serait vraiment capable de réaliser une carte mentale détaillée sur 30 km sur 20. Quoi. Peut-être le petit périmètre du facteur. Quoi. Globalement, tu vas acheter ton pain au chocolat à la boulangerie, tu sais où est la poste, des trucs comme ça. Mais ça se limiterait vite à quelques éléments. Je ne suis pas sûr que tu pourrais représenter une carte complexe. Exact. Et donc voilà, et ça, je pense que ça a fait sauter un gros verrou. Et donc finalement, comme je disais tout à l'heure, la représentation cartographique, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire bah, la légende, bah, on est vraiment pas loin de l'écriture. Donc société sans écriture, mais, mais on fait des cartes. Donc c'est assez rigolo. Enfin, je pense que de toute façon, cette dichotomie préhistoire et histoire, elle est un peu fake, quoi. On le sait bien. Ok, merci. Et juste une autre question, du coup. J'imagine que vous avez passé en revue pas mal d'autres dalles gravées, bretonnes, par exemple, hein, des trucs locaux. Est-ce que y en a quelques-unes qui vous ont un peu tapé dans l'œil et vous vous êtes dit, il y a peut-être moyen aussi d'aller chercher plus loin sur ces dalles, quoi. En fait, ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un alien pour l'instant et c'est la seule. Après, faut pas non plus complètement s'étonner. Enfin, si notre interprétation est juste, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'un territoire, d'un prince ayant vécu entre 2000 et 1600 avant Jésus-Christ, ou d'une famille royale, d'une lignée, sachant que je crois qu'il y a à peu près 20 territoires royaux en Basse-Bretagne, toi, les chances de tomber sur une autre dalle, elles sont maigres, quoi. Donc, non, on a vu des choses intéressantes, mais c'est plus de l'ordre du réticulé un peu complexe, et donc qui à mon avis mérite d'être étudié, mais c'est pas la même chose. Oh là là. Je fais juste un tout petit mot de conclusion. Donc merci beaucoup à Ivan pour cette conférence qui était très intéressante. Moi j'ai appris plein de choses, notamment que la voix romaine n'était pas romaine, alors ça a bouleversé toute ma jeunesse. Donc merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus et d'avoir assisté à cette conférence. Merci beaucoup à Dominique et à Yann pour... Yann, oui. pour la diffusion en direct sur YouTube et merci à Isabelle de m'avoir assisté pour l'organisation. Je vous rappelle que nous avons une autre conférence qui se tiendra demain, toujours au sujet des roches, mais cette fois des roches spatiales, puisque Jean-Alix Barra viendra nous parler des premières planètes du système solaire. Et ce week-end, vous êtes cordialement invités au Village des Sciences au Capucin, où de nombreux scientifiques de l'UBO viendront vous parler de toutes leurs thématiques de recherche, biodiversité, génétique, sociologie, donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez aussi 5 minutes avant que l'université nous mette dehors, pouvez-vous remplir, s'il vous plaît, le questionnaire de satisfaction pour savoir comment vous avez apprécié cette soirée et comment on peut faire mieux encore la prochaine fois. Voilà, donc merci à tous et bonne soirée. Merci.